Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre chère petite zone, petit centre ici. On va faire plusieurs choses. On va tenter d'atteindre, j'espère vraiment aujourd'hui, cet objectif de 24 sur 20. Ben voilà, c'est fait, c'est parfait. C'est quoi comme bâtiment? C'est le centre commercial de la modération. Propose nombreuses petites boutiques, divertissements. Ok, on pourrait le faire attirer. Alors, je serais tenté de le mettre quelque part ici. Pour un peu rendre les gens un peu plus heureux. Mais ça fait du bruit, donc c'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. J'espère que vous allez bien. Où est-ce que... Ah bah, je pourrais mettre ça ici, non? Voilà, on va mettre ça ici. Parfait, on va réactiver tous nos bâtiments qui étaient désactivés. On a des trucs à reconstruire aussi, mais ça on verra bien. Le moment venu, on va d'abord réactiver toutes les machines, enfin toutes les machines, tous les trucs de poubelle. Ok, bon, j'ai l'impression que là c'est bon. Alors là, je peux réactiver. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Je suppose que oui. Mais je suppose également que je ne vois pas où. Bon, ben, on va laisser faire pour le moment et on verra bien comment ça va se passer concrètement. On va déjà commencer à réparer le bordel de la précédente vidéo. Hop, on reconstruit ici plein de petits trucs. Et ben c'est plus connecté, on dirait. Ah si. Ok, donc c'est juste buggé. Ok, bon. On va laisser comme ça pour le moment. Alors ça, c'est très chiant, on va tout reconstruire. Un par un. Je vais commencer par la droite, ce sera plus facile, je crois. Parfait. Ici, ici. Donc, ouais, nos petits bâtiments ici, ils n'ont pas résisté. Et c'est reparti. J'ai l'impression que tout est un peu nouveau en route. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors on risque quand même d'avoir un gros impact des camions parce que bon, même si ici tous les camions, voilà, c'est que 4 camions qui sont repartis. Ça, on va pouvoir réactiver aussi. Donc on verra, hein, on va voir comment ça va concrètement se passer. Allez, on doit encore faire la spécialisation des bureaux et de la zone agricole. Les bâtiments abandonnés, ça, on verra bien comment on va faire. Et la spécialisation de produits. Normalement, ça devrait avoir presque disparu, hein, tous les problèmes. Ça gueule, mais normalement, ça devrait aller, quoi. Et du coup, on va aussi pouvoir leur dire de... Ah non. Okay, j'ai rien dit. Ressortez, ressortez. Active tous les abris en mode évacuation. Ouais, non, c'est pas ça. Ici, le petit bâtiment à reconstruire. Alors, on a des bâtiments abandonnés, mais rien de spécial. Ok, c'est pas grave. On va se concentrer du coup sur. Alors, on va avoir pas mal de morts. On va avoir pas mal de morts et je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait pas du coup réactiver la disparition pour refoutre un bordel en fait? Parce que. Ah, on a débloqué ça. On a débloqué le centre médical. Centre médical est un complexe de recherche qui se consacre à la recherche de remèdes contre les maladies. Il est tellement vaste et efficace qu'il peut facilement s'occuper de tous les besoins de santé de vos habitants. Le centre médical dispose d'un héliport et peut accepter les hélicoptères. Ok, cool ça. Alors, je vais un peu de nouveau, comme d'habitude, mettre ça un peu n'importe où. Et en fait, là, ça pourrait être cool.
Espace déjà occupé. Ah ouais, à cause de juste ça. Alors, on va juste voir si l'atterrissage n'est pas un peu. Non, normalement, ça devrait le faire. Parfait! Et on a eu ce petit truc infirmier. Construisez le monument centre médical. Génial. Génial, génial. Ici, il y a beaucoup de monde qui passe parce que, évidemment, ben, on n'a qu'un seul accès. J'avais pensé, je crois, hein, c'était, j'avais dit que on passerait sûrement par ici à un moment donné. On verra si on le fera réellement ou non. Ici, patient 1000, patient traité, tatata, ambulance de service 50. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Proche d'un rond-point en plus, donc ça peut être intéressant. Ok, bah c'est cool. On a encore pas mal de choses à faire, hein. Construire le sphinx des scénarios. Ah ouais, donc vous avez vu, on a quand même des choses qu'on doit faire. Ouais, on pourra pas tout faire dans cette série-ci. Même si on est très proche, hein. C'est chiant ça quand même. Remporter trois scénarios au choix, c'est fou. Et j'ai remporté les scénarios. Bref. Là, c'était quoi? Gagner zone inondée, ok, c'est un scénario aussi. Et ayez une zone de parc niveau 5. C'est vrai qu'on n'a pas ça. On pourrait. Bon, on pourrait le faire. Hein. Parc. Voilà, on va rajouter bah, du coup un petit truc comme ça. Alors, on attend quoi ici? On a besoin surtout de juste de tous ces trucs-là. Ok. On continue. J'en rajoute hein, quelques-uns. Remettre un échiquier. Normalement, on devrait arriver proche de là. Ah oui, en fait, on est passé niveau 4 directement. Tu m'étonnes. Je vais peut-être encore mettre un truc comme ça ici. Et un petit truc ici. Et voilà, trampoline du parc, on est passé niveau 5. Et du coup, on a débloqué quelque chose. Hop, les petites trampolines, on les met là. Parfait. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de monde, un peu trop de monde, presque. Est-ce qu'on devrait possiblement mettre un rond-point? Je crois pas. Ça roule quand même assez acceptablement. On a beaucoup de monde ici, mais ça va. Ouais, j'ai quand même envie de faire mes petites zones ici, mais c'est vrai que. Ah, on a toujours les tsunamis là qui sont activés quelque part. Peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que je voulais faire? Écoutez, je suis en train de me dire si on devrait pas commencer la série. Une nouvelle série. Alors je sais, hein, c'est un peu parce que ça s'essouffle, mais ça s'essouffle. Clairement. J'avoue que. Allez, on est à 157 000 habitants. Ça va continuer à monter, ça j'en doute pas. Sûrement très lentement, mais. Bon, voilà. Mais c'est surtout pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'ai pas envie de répéter. Ouh, pourquoi c'est rouge? Ok. Ah, peut-être à cause de tout ça. J'ai fait pas mal d'erreurs. Ici, on devrait faire un... on aurait dû faire une autoroute en fait qui passait là. Je me suis obstiné à faire un petit truc comme ça. Alors, on peut encore transformer tout ça, hein. En soi, je pourrais très bien transformer la route et me dire on fait une autoroute, même à double voie, entre guillemets. On n'avait pas des autoroutes? Ah, non. En soi, on pourrait très bien en faire une ici et voilà, mais maintenant c'est réglé, on l'avait fait. J'ai l'impression que c'est la fin de la série, les amis, ici. Vous aurez sûrement rapidement une nouvelle série, je vais continuer aussi tous les tutos. Aussi, regardez les posts que j'ai fait, mon dernier post, vous allez dans, sur la chaîne et puis vous allez dans l'onglet communauté et vous voyez mon dernier post. C'est tout partout des idées de, enfin c'est des idées que vous pourrez donner pour des tutos.
Parce que bah, l'idée c'est de faire de refaire des tutos pas mal. Alors j'en fais quand même quelques-uns, hein, mais j'ai pas toujours l'inspiration de ce que vous cherchez concrètement. Et aussi, je vais essayer de faire des tutos spécialement pour les consoles. Je ferai pas ça sur console, mais je ferai ça en vanilla, sans mode, sans rien. Ce sera le plus simple. Ok les amis, on va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai quand même envie d'atteindre. J'ai quand même envie de réactiver. Enfin, désactiver la disparition du coup. Juste histoire de voir un peu comment ça va se passer et. On va essayer d'avoir les bâtiments abandonnés. Disons qu'on va plus maintenant s'amuser sur cette dernière vidéo, pardon. Et puis on sera pas mal. Mais non. Mais non. Ok, ce serait là-bas. Alors je suis quand même content, on a fait quand même pas mal de choses, on a fait quand même beaucoup d'épisodes, hein. On est au 72e là, donc c'est vraiment bien. J'aimais beaucoup la map, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la map je la trouvais vachement cool. Bien pensée, allez, il y avait pas mal de petites choses. C'était cool aussi d'avoir ici la centrale, hein. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même vachement cool d'avoir de l'eau ici à fond. On n'a pas assez exploité, je crois, cette zone-là. Mais bon. On sait ce qu'on devra faire pour la prochaine fois. On sait qu'on ne doit pas mettre trop de choses. Alors là, vous voyez, ici, ça allait encore, cette zone de commerce. Mais là, ma zone touriste, je crois que je l'ai plus foirée qu'autre chose. Dans le sens où j'ai trop mis. J'ai clairement trop mis. On aurait dû un peu alterner entre habitation et loisirs et des bureaux aussi. Donc voilà. Alors ici, voyons voir. C'est chiant, on avait presque tout quoi. On avait presque tout, mais je crois qu'on recommencera sur de bonnes bases la prochaine fois. Avec un objectif réel quoi. C'est surtout ça. Alors, pour faire les scénarios, je crois que je vais les faire en vidéo, hein. Donc on y est, autant en profiter. Et je crois que je vais même commencer directement après cette vidéo, je vais faire ça. Je crois que ce sera beaucoup plus sympa. Bon, on a toujours beaucoup de problèmes ici, vous voyez, de déchets. On a combien niveau transport? Alors, pour le moment, ça va, mais je crois que ça va pas tarder à être le bordel. De nouveau, hein, tout va s'activer d'un coup. J'ai quand même envie de vous dire que j'ai envie de mettre quelques petits soucis. On va arrêter l'épisode, hein. On va plus faire de série dessus. Ce qui veut dire, on va faire quelques petits soucis. Alors ici, on voit l'intensité. On est à 25. On va mettre ça. Et une petite tornade, est-ce qu'on la mettrait pas genre ici quelque part? Ça va faire mal, hein, je suis d'accord. Même chose ici. Alors j'ai quand même envie de voir ça. La frappe de météorite. Je vais juste mettre ça parce que avec une puissance de 25,5, on va voir déjà ce que ça va donner, mais ça va faire mal. Oh, ah ouais, ça va toucher tout ça. Ok, ce qu'on va faire aussi les amis, c'est que prochaine série, et essayez de me le répéter s'il vous plaît si je l'oublie, on va vraiment se concentrer aussi sur tout ce qui est abri, sur la poste, et bah, ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera déjà pas mal, mais sur des petits trucs que j'ai pas forcément pensé. Les trains, on va vraiment essayer aussi de bien séparer le tout. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment essayer de se faire pas mal allez, se faire pas mal plaisir. Et j'aimerais quand même voir ici comment ça va se passer concrètement. Dites-moi ce que vous voudriez pour la prochaine saison, la prochaine série. Donc ce sera une série qui sera dans. Ce sera une plus courte série, ce sera une série dans la neige. Alors, je sais que j'aurais pu faire évoluer cette ville dans la neige, mais j'ai envie de recommencer.
Pour la simple et bonne raison que de 1, j'ai bien recommencé, tout simplement. Et de 2, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, hein, comme je vous l'ai dit, et j'aimerais ne plus les faire. Parce que ben, je sais très bien que ben, voilà, j'en fais énormément d'erreurs, hein, donc voilà. Alors ici, comment ça se passe? Est-ce que notre système là... Alors ce système ici fonctionne, hein. Ça c'est un truc qui est sûr, c'est que ça fonctionne super bien, quoi. Alors, il pleut là-bas, c'est... Ah, ça va encore. En vrai, ça va. On va pas tarder à avoir ici nos petits trucs. Et j'ai quand même envie de tester un truc. Donc, on va avoir une catastrophe qui va arriver ici, d'accord? Donc, on va faire nos tests tant qu'on y est. Je vais mettre ça, ça... Je vais mettre ça aussi là et je vais vite fait le mettre ici en plein milieu. Voilà, on va un peu voir comment ça va se passer concrètement. Et on va aussi tester ici. Alors, cette route, j'aimais vraiment bien. On va voir ici le... Ouais, ça va passer par ici, hein, tous nos trucs. Comme ça. Alors, je vais en mettre un qui serait genre... Ici, un... Ah, je peux pas là, évidemment. On va le mettre là. Ah ouais, ici, on avait vraiment rien mis, quoi. Bon, écoutez, de nouveau, hein, vous le savez très bien, on termine nos petits tests, là. Ici, ça a l'air de... Ça n'a pas été impacté, donc c'est cool. Ça aussi, hein, c'est une zone qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas beaucoup touché, qu'on a pris peut-être trop grande. Mais que j'ai vraiment apprécié. Franchement, je suis quand même content de notre allez. Je suis content de la ville quand même. Je sais que j'ai fait, comme je l'ai dit, des erreurs, mais je suis vachement content de tout ce que ça a donné, de vous aussi, hein. Vous étiez quand même pas mal là, donc c'est vachement cool tout ça aussi. Donc merci. On n'a pas encore. Non. Ah, il n'y a pas d'eau. Ok. Ok. Bon, bah, on a quand même déjà beaucoup moins d'habitants. Alors, clairement, c'est, vous voyez ici, hein, ça, on commence à avoir un impact sur les déchets. Ok. Alors, je me demande quand va arriver la météorite. Attendez, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Là. What? Elle est énorme. Ça va tellement faire mal. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is Oh, et la tornade aussi. Alors, je vais juste voir ici. Stay indoors until the storm has passed. Ah ouais. Ok, vous êtes prêts? Wow. Ah ouais, c'est toute la puissance. Oh. Ok, donc clairement, entre guillemets, ici tout ça a été. Enfin, ça a résisté. La même chose aussi, ça a résisté. Alors il n'y a pas de... Ça a bien marché ou non, mais ça a résisté. Alors ici on est sur l'énorme tornade là. Qui par chance, j'ai l'impression, touche... Waouh. Ça va faire mal ça. On dirait qu'on est dans Battlefield 2042 là. Oh. Ah ouais, ça fait mal, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de résistance, de je sais pas quoi? Non, il n'y a pas un... Pas de reconstruction.
Non. Bah écoutez, les amis, bon, on a fait un peu le tour, hein. J'ai pas continué, c'est un peu le bordel niveau électricité et tout, mais il y a de l'orage. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette série. On se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle série. Je sais pas trop. On va faire sûrement deux séries en même temps sur Cities Skylines, ce serait cool. Et voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!